Tous les objets sont aléatoires dans ce mode Ocarina of Time 3D. Ah oui! Oh là là! Le but est de finir le jeu malgré le fait que les objets ne se trouvent pas au bon endroit. Les objets nécessaires pour finir le jeu sont, dans l'absolu, tous les médaillons, l'arc, les flèches de lumière et une épée. Mais en pratique, on aura besoin de beaucoup plus d'objets car ils nous débloquent pour justement choper les objets obligatoires. Je n'ai jamais joué à la version 3DS, donc c'était aussi l'occasion de tester quelques glitches. Oui, d'ailleurs, c'est mon anniversaire le 12 mars, donc si vous voulez me faire un cadeau, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Oui, je gratte un peu. Allez, merci et bonne vidéo. Bref, allez, on fait un nouveau game. 3, 2, 1, go! Oh là là, quel plaisir, quel plaisir. Alors attendez, est-ce qu'on va pas faire la route de speedrunner? Parce que moi, je me rappelle, tard l'époque, du coup, j'avais appris la route de Ocarina of Time sur la N64. Et du coup, ça faisait comme ça, hop, pour aller chercher l'épée, là. On va aller chercher l'épée d'abord. Alors, je sais pas si l'épée, j'en sais rien. Peut-être que j'ai mis les settings de manière à ce que l'épée soit à l'endroit où elle est censée être. J'en sais rien. Peut-être qu'on va galérer comme des malades, j'en sais rien. Y a pas l'intro? Non, 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 c'est skippé, justement, c'est le mode, il skip tout. Ok, hop, petit rubis, hop, hop, hop. Et alors, il faut savoir que quand on va à l'envers, ça va plus vite, du coup. Yes! Ok, du coup, l'épée est bel et bien à l'endroit où elle est censée être. Alors, c'est cool. Ah, ça fait plaisir, putain, j'ai jamais joué à Ocarina of Time sur la 3DS. Je redécouvre, c'est un plaisir. Sur la version N64, on peut clipper ici. Oh, ça marche aussi. Oh, je l'ai réussi du premier coup. Let's go, c'est frame perfect. Hein. Oh non, je suis retombé. Alors, je me demande si les items du shop sont random. Je pense que oui. Alors, je sais qu'ici, il y a 4 coffres, du coup, dans cette maison. On va voir ce qu'on va avoir, du coup. Ok, l'ocarina, sympa, sympa. Ok, pas mal. Rubis violet, pas mal, pas mal. Fragment de cœur, ok, un peu osef. Rubis rouge, ok, pas mal, pas mal. Alors, je pense que le fait d'avoir l'ocarina, c'est très, très, très utile. Je sais que là, je pense qu'on peut déjà plus ou moins sortir. Alors déjà là on peut aller voir l'arbre mojo. Dans ton inventaire l'amulette rouge c'est quoi ça? Ah ouais j'avoue, what the fuck, pourquoi il nous la donne déjà? J'ai le Gerudo token aussi. What the fuck, qu'est-ce que ça fout là? C'est peut-être un truc gratos qu'il nous donne parce qu'on est des débutants. Alors il n'y a pas Mido ici parce que normalement il y a Mido qui est censé nous gêner ici. Alors je crois qu'il y a un truc ici, voilà il y a une porte. Il est pas très 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 grand le décutri. Est-ce qu'elle donne des trucs les sculptulas dorées? Non ok, ça a l'air de donner des gold sculptulas normal. Alors qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Sympa, il y a un petit coffre qu'on peut choper directement. Ok, bombe chou, sympa. On en a qu'un seul? Oh, on en a 10. Ok, cool. Ça peut être très très utile les bombes chou, vraiment. Ça peut nous ouvrir plein de rochers et tout. Ouvrir des rochers, c'est super important. Ah ouais, mais là j'ai pas le bail aussi. Là je peux pas continuer vu que j'ai pas le lance-pierre. Bon, c'est pas grave, on a eu quelques items. On va sauvegarder et quitter, ça sera plus rapide pour revenir au tout début. Et là, vous voyez, typiquement, là on a des bombes chou. Et donc du coup, on peut déjà aller là en fait. Genre, on peut déjà accéder à Goron City. Vous avez vu? Voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On est déjà à Goron City en fait. Non, vraiment, le fait qu'on ait des bombes choux, c'est vraiment trop trop bien. Alors, est-ce que j'y vais pour l'instant? Je pense pas. Là, t'as des coffres à choper. Ouais, tout en haut, je sais. Mais pour l'instant, je préfère économiser les bombes choux, je pense. J'en ai pas tant que ça, je préfère vraiment les économiser. La forêt. Oh, d'accord, ça nous a donné des décunuts. Là, en fait, ça nous a donné un item random parce que ici, il est censé y avoir la cinématique de Saria qui nous donne l'ocarina. C'est pour ça qu'on a eu les décunuts. Alors, j'ai très très envie d'aller à Cocorico. Je pense qu'à Cocorico, il y a plein de trucs à faire. Mais si t'avais pas déjà eu l'ocarina, je pense qu'on aurait quand même eu des décunuts pour le coup. Alors on va aller à Cocorico. Oh quelle musique Cocorico quand même. J'ai envie de faire les poules, le check des poules, vas-y je suis chaud là. J'ai un skill énorme en poule. Tac, tac, tac. Bon après si jamais elle me donne un rubis bleu je vais avoir le seum quoi, mais bon. S'il y a la Master Sword derrière là je vais être très 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 content. Je vais être mais alors le roi du pétrole. Hop, hop, tac. Alors attends. Ah, donne-moi la poule. Oh putain, j'arrive pas à la prendre. Ok, là en théorie on a toutes les poules. Thank you for finding my cuckoos. Allez, ça pue la merde. Let's go. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. On va finir par trouver un truc banger, hein, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on a des checks à Cocorico? Des checks? Bah en gros c'est des endroits. En gros un check si vous voulez c'est un endroit où on peut potentiellement avoir un item. Je crois. Ah oui, alors attendez, je crois que d'ici on peut y aller. Monter sur le toit via la tour. Genre là si Shide Up à gauche ça passe. Oh waouh! Waouh! Ok, ok, sympa. Waouh! J'ai eu peur là. Cool! What? Oh non, c'est un ice trap! Oh non! Ok! Oh, c'est trop stylé, mec! Le ice trap est trop trop bien! Et. What? What? On a des bombes chou drop! Mais quel dingue! Mais quel bail! Attends, mais mec, j'ai tellement de bombes chou, j'en ai 17. Je peux aller chercher les items à Goron City en fait. Je sais pas s'ils nous donnent quelque chose quand on est petit ou pas. Aussi, enfant? Ah ouais? What? Nocturne of Shadow? Sympa! Alors, je crois que du coup, si on le joue, ça peut nous TP quelque part. What? On peut déjà aller au Shadow Temple. Ah non, il faut Dinsfire ici.
Non, il faut le Dinsfire. Ouais, j'avais oublié. Bon, au moins les random, comment on appelle ça, les TP sont pas aléatoires. Ah oui, c'est vrai qu'on a Dampé, du coup il peut nous donner plein d'items. On lui demande de creuser, il peut creuser n'importe quel item. What? Oh, j'ai le quart de cœur du premier coup. First try. Mais non, c'est pas possible. Avance mon ref. Creuse. Je peux creuser autre chose. Non, j'ai l'impression qu'il creuse que des rubis. Hein. Par contre, ici on peut open. Non, je pense pas que les rubis aient été modifiés, honnêtement. Ok, Song of Storm. Sympathique, sympathique. Attends, mais du coup on va pouvoir revenir et jouer au frérot là. Trop cool. Bonjour monsieur, j'ai envie de vous jouer une chanson. Alors attendez, du coup, j'ouvre ça. Ça fait quoi ça déjà? Ah oui, c'est pour y retourner quand on est adulte, non? Un truc du genre. Ah, ça fait descendre l'eau du puits aussi. Banger, trop bien. On va pouvoir aller dans le puits. Il y a plein de checks dans le puits. Regardez-moi tous les coffres qu'il y a sur la map en haut à gauche. C'est une machine à check ici. Hein. Et il y a un check ici. Petite clé. Ah merde, c'est des petites clés. Ah, relou. Clé, on peut ouvrir ça du coup. Je sais pas si c'est très utile, mais... Alors, en théorie, les endroits où il y a des maps, etc., c'est censé me donner autre chose. Oh! Oui! Oui! Alors là, très très belle bite. Très très bel arc. Est-ce qu'on peut déjà utiliser l'arc? Non, on peut pas, hein. Faut être adulte, c'est pas grave. Dans tous les cas, on peut changer adulte-enfant à tout moment. Voilà, on va pouvoir l'utiliser, ça va nous débloquer plein de trucs. Et en plus, l'arc, c'est un item 100% nécessaire pour terminer le jeu, parce qu'il va nous falloir les flèches de lumière aussi. Donc, ça fait plaisir. Ok, petit coffre. Ok, un petit bottle. Très très cool, très très cool. Sympa, un petit flacon. Où est-ce qu'il y a... Il y a un mur ici. Et là, il y a un coffre. Oh non, il y avait un coffre. Oh non, je suis encore retombé. Putain, je connais pas assez le jeu. C'est pas grave. En tout cas, pour l'instant, ce puits nous met Gucci. Hein. Ok, bon, franchement, non, c'est pas mal. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. On va revenir une fois qu'on aura le monocle de vérité. En tout cas, on a plein de trucs à faire, plein de checks. Vous savez quoi? On va aller dans la citadelle. On va passer adulte. Ok, devenons adulte. Ah, par contre, les roulades sont trop bizarres quand t'es Link. Hein. Genre l'animation de la roulade. Je track la MS. Ah, on a la Master Sword là? Ah, mais oui, c'est vrai. Du coup, on a la Master Sword. Très stylé. Alors, ce qu'il va nous falloir, du coup, c'est les flèches de lumière pour le coup. Le but, c'est avoir tous les objets en random. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est plus avoir tous les objets et se démerder pour terminer le jeu, surtout, en fait. C'est surtout ça. Hein. Alors, vous pariez combien de temps, là, à damper? Moi, je parie 50 secondes. Pas du tout. Non, mais... Non, mais gros, les flammes me trollent, là, aussi. Ok, ça met une minute. Ça me va. Attention. Ah, ça pour un vieux rubis de merde. Ah, oh, c'est impossible à viser. Ah, c'est là où avec le gyroscope ça doit être pas mal, non? Ah, mais là je peux pas activer le gyroscope, c'est horrible. Nice! Perfect! Car quoi? Ok, c'est pas très utile. En plus là on a même plus assez pour jouer. Il peut nous redonner un item lui ou pas? Est-ce que c'est l'item qu'il était censé nous donner? J'en ai aucune idée. Il est vanille. Vanilla. Yes. Je crois qu'ici on peut récupérer un check aussi. De spi. Oh, il y a un check ici. Oh! Prélude of Light? Sympa, sympa. Et si on allait voir Saria en vrai? Wouh, des flèches, let's go, les flèches, merci Saria. Ici là? Mais j'ai déjà été pourtant. Ah merde, il y a un autre truc à gauche. Oh, what? Je savais pas qu'il y avait un truc là. Ah ouais, putain, je connaissais pas du tout ça. Oh, Nairuslav? Ok, sympa. Alors c'est pas très très utile, j'aurais préféré genre Dinsfire, mais... Et là pour le coup, on peut plus progresser là dans le décuterie. Ah, il y a un coffre, sympa. Un petit bombe chou, clairement ça fait plaisir. Allez, pitié. Ok. Ok, le boomerang, sympa, sympa. Alors je sais pas si on peut l'utiliser en tant qu'adulte. Je crois que si. Oh, let's go. J'ai rajouté ça sur le rando. Alors c'est pas possible dans le jeu Vanilla. Mais moi du coup en adulte, je peux utiliser le boomerang. Je connais pas assez Ocarina of Time en casu. Moi je me dis de faire un randomizer, en vrai c'est l'occasion. Hein. Yeah. Oh, bah on peut terminer des cutries. Bah c'est très nice. Ok, très 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 cool. Alors je sais pas si ça va vraiment nous être utile de terminer des cutries, mais... Bah attends, là maintenant je peux équiper le slingshot. Oh, c'est tellement banger avec le motion gaming. Ok, light medallion, sympathique, sympathique. Ça nous donne forcément un médaillon, c'est ça? Mais c'est un médaillon aléatoire? Ok, bon, on avance un peu. Par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après ça, quoi? Ouais, on va redevenir adulte, je pense. Alors, il est où le grotto ici, là? Ah non, il est entre les deux barrières. Ok. Oh, mais oui, mais c'est clair. Ah oui. Ah, d'accord. Non, ok. Non, c'est clairement aléatoire. Non, ok. On avance là. Il y a un rocher, j'ai l'impression. On rentre. Ouah. Ok, excusez-moi. Excusez-moi là. J'ai jamais autant galéré à rentrer dans un trou. Hein. Oh là là, non, mais c'est pas possible. Ok. Ça se débloque. Ok, pas mal. On avance bien là, franchement. C'est cool. Alors, voyons voir ce qu'il drop. Attends, il drop vraiment un réceptacle? Ah non, c'est un fragment de cœur. Okay. Je suis quand même curieux de savoir ce qu'on va avoir avec cette warp. Ok, Forest Medallion. Au ranch, il y a 3 scrubs. Ok, ça fait clairement 3 checks. Ça peut être banger. What? Attends, mais ils se foutent de ma gueule, là. Oh, c'est déjà open. Elle est open, celle-là? Ah ouais? Allez, un banger. Oh là là! Oui! Oh oui! Oh là là!
Oh là là, on va pouvoir faire le forest. Oh, quel banger. Ok, je dis pas non. Bon, ça me va. Oh, il y a encore 3 checks. Quel banger. Oui, 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 je dis oui, monsieur. Zelda Lullaby. Ok, Red Rupee. Bombe bag. Bombe bag. Oui, monsieur. Les bombes. Le Serenade of Water. Ok, ok. Ça se met bien ici. Ok. On est Gucci Gang. On est... Oh, mec, ça se débloque tellement. Qui a tout en haut? Attention, attention. Oh non, 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 il y a un corbeau. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Merde, c'est pas grave. Faut tuer le corbeau. Il veut pas venir, le ref, là? Ok, allez, une petite dinguerie, là. Petite dinguerie, petite dingue. Oh, tenue Zora. Pas mal, pas mal. Pas très utile, si. Utile pour le water, ouais, c'est tout, quoi. À part ça, c'est random, ça, aussi. Ah oui, oui, bah, on est pas du tout censé avoir ça, hein. Ok, je sais pas trop où aller, mais vas-y, hein. Ok, il y a un coffre, là. Oh non, c'est gaze. Je l'ai déjà. Oh non. On va faire le speedrun, Crocopops. Oh, merde. Oh merde, oh merde. Marche. Est-ce que tu m'as préparé mon donut sucré au sucre? Ok, des petits coffres. Oh non, des bombes, trop cool. Trop content. Je suis refait. On l'a un peu, on l'a un tout petit peu. Il y a un semblant. Je pense qu'ici c'est Vanilla, non? Attends, je crois qu'ici c'est Vanilla. Je peux essayer, mais... Vanilla, ça veut dire de base, ça veut dire normal, pas modifié. Oh, beaucoup, pas du tout, pas du tout. Ok, je ferme ma gueule. Big Vanilla, ah oui. On n'est pas censé les avoir ici. C'est force 2. Mec, ça débloque tellement de trucs. D'où déjà les grenouilles? Genre vraiment, si je trouve l'écaille, c'est une dinguerie. Il oh, y a le hammer, là, non? C'est le hammer. What the fuck. Attends, comment on fait pour choper ça? Attends, quoi? Ah oui, j'ai la ref, ok. Ah oui, ok, d'accord. Et là, on peut le choper. Let's go, le marteau! Wouh! Et alors, fun fact, je vous spoil pas, mais alors attendez. J'ai modifié le truc pour qu'on puisse l'utiliser en tant qu'enfant. Alors que de base, c'est censé vraiment l'utiliser que en adulte. Ok, bon, ça nous débloque 1000 choses, là. Je colle un banger, on va voir. Je colle un rubis bleu, moi. Rubis violet. Eh, hey, j'étais pas loin. Je gagne bientôt les 100K. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les 100K arrivent très très bientôt. J'ai trop hâte qu'on déballe le trophée des 100K abonnés en live. Bah d'habitude, j'aime pas trop backseat. Ouais, bah moi non plus, je déteste, hein. Le premier à détester le backseat, hein. Là, ça me dérange pas, tu vois, c'est juste, vous me dites... Oh, flèche de lumière. Oh. Ok, c'est nécessaire pour finir le jeu. Ok, pas mal. Ok, des noix mojo, des bonnes grosses noix. Comme mes grosses noix, là. Flèche de lumière, c'est pas nécessaire dans l'immédiat. Ça nous débloque rien dans l'immédiat. Mais grâce à ça, on peut potentiellement terminer le jeu. 3 scrubs ici, c'est 3 checks. Oh, Requiem of Spirit, pas mal. Je vais crever, j'ai plus de vie, en fait. Ok, nickel. 4e médaillon. Ouais. Est-ce que c'est ça, du coup? Un cœur, trop cool. T'as un cœur, mais c'est un réceptacle de cœur, mais moins bien, quoi. Spirit médaillon. Ok, pourquoi pas. Il en manque plus que 2, du coup. C'est une fairy fontaine, ça? Ah si, il y a 2 scrubs, là. 2 checks. Oh! Oui! Oh, je suis refait! Let's go! La Silver Scale! Oh, quel plaisir! Quel plaisir! Tout se débloque! Ouais, en tout cas, pour Dean's Fire, il faut que je redevienne enfant, ça c'est clair. En plus, j'ai la Route au Slater, quel plaisir! Dean's Fire! Ou Shadow ouvert. Vivement le mode multiplayer de Mario Odyssey, quand même. Hein. Oui, non, oui. Y a controverse, là, y a débat. Pas mal. Ok, flèche de feu. Je sais pas si ça débloque énormément de choses, mais c'est pas trop mal. Ouais, j'ai toutes les flèches là. C'est beau. Ok, c'est très très cool qu'on ait déjà la route aux letters quand même. Mouip. Il faut savoir, il y a un speedrun qui s'appelle le Mouip% qui est d'arriver ici le plus rapidement possible et d'activer le Mouip. Mouip. On dirait les méduses dans Metroid. Le truc qui me tombe à la gueule ici là. Ça s'appelle les Metroid? Ah, c'est ça les Metroid? Bah, j'ai pas assez joué au jeu. Ah, faut la laisser ici. Oula, c'est quoi ce miel? Et c'est surtout que je crois qu'on les a déjà en fait, dès le début, dès qu'on rentre. Ah, bah c'est clairement Sun Song! Pas mal. Ok, c'est quoi le check là? T'as un quart de cœur, c'est genre un réceptacle de cœur en moins bien. Bon, au moins on va avoir le Water Medallion, ça c'est très 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 stylé. Du coup, Water, on va pouvoir choper la flèche de feu. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut faire le Shadow. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Pas le bouclier miroir? Ah oui, ok. Ah si, ça active les 2 coffres. Ah oui, c'est plaisir. Oh là là! Mais c'est pas possible! On va faire un sub 10h! Mec, c'était l'un des derniers... Je crois que c'était le dernier item qu'il me fallait. Là, il me faut plus que le médaillon et c'est fini. Je crois, hein. Plus que le médaillon et on peut terminer le jeu. Oh la dingue! Attends. Mais ah, je peux pas l'équiper, malheureusement. Il te manque les overboots? Ah oui, c'est vrai, merde. C'est vrai. Ça fait plaisir, quand même. Hein. Je colle overboots Vanilla. Enfin... Ah! Excusez-moi! Non, excusez... On venait d'en parler. Non, c'est pas possible. Non, mec, c'est... Ah!
C'est pas possible. Mec, je venais d'en parler. What the fuck. Gros, j'en ai des... Wouah. Mido, il nous bloque le passage pour arriver jusqu'au temple de la forêt. Mais par contre, du coup, il y a un moyen pour pouvoir lui passer par-dessus. Et là, si je fais un side hop, en théorie, ça passe, non? Voilà. Let's go. Alors, Mido. Ok, je crois que c'est un truc comme ça, mais là j'ai troll. Bref, on sait pour savoir quel est le bon ou le faux déjà. Merde. Aïe aïe aïe. Oh oui, trop cool, on va faire du baseball. On va faire du tennis, regardez. Allez, renvoie-moi ta boule là. Là, avec la bouteille. C'est plus fun comme ça quand même. Ah. Putain, j'ai pris un jeu, j'ai pris un point. Il va me mettre un break là. Let's go. What, il est toujours pas mort. Ok, il est mort. Nickel. Allez, ZL. ZL. Zelda. Zelda, la berceuse du Zelda, à la place du réceptacle de cœur. Et après, quand je rentre, le Shadow Medallion. Allez. Allez. Oh, force 3, c'est ça? Ok. Ça nous débloque énormément de choses. C'est pas mal. C'est pas mal, Golden Gauntlet. Bon, ça aurait pu être mieux ZL, mais bon, après, là, par exemple, si on a le Shadow Medallion, ça peut compenser. Je rappelle que c'est vraiment le dernier médaillon qu'il nous faut pour pouvoir arriver dans le château. Pitié. Allez, allez, un médaillon. Oh. Je le savais. En vrai, le problème, c'est que je peux pas faire le Shadow. Le Spirit, je peux pas le faire non plus parce qu'il me faut ZL. Et c'est quoi le dernier donjon que j'ai pas fait? Water. Ouais, Water, je peux même pas y accéder. Petit coffre. Wouhou! Des flèches, trop cool. Attends, j'ai halluciné ou j'ai vu une skull ici? Il y a un autre coffre là-bas. Il est où le dernier coffre? Ah, il est là. On rentre là, là. Ah, il est invisible le dernier coffre? Ah ouais, sérieux? Il est de ce côté-là, là? Il est dans la cage? Ah, en dessous, là, dedans? Ah oui, il est là, en effet. Oh. Wouah! Zelda! Oui! Oh! Let's go, Zelda Lullaby. Oh putain, depuis le temps que j'en voulais. Let's go. Putain, c'était l'un des derniers items qu'il nous fallait. Bon, du coup là, on peut terminer le Shadow. Nickel. Je pense qu'on est bien là. Nickel. Voilà. Let's go, le petit clip. Le petit bombe clip des familles. Alors là, la clé du boss, je sais qu'elle est par là. Du coup, je cherche les médaillons. Ouais, c'est ça. Et en gros, les médaillons, je peux les avoir que en terminant les donjons. C'est random, mais que entre les donjons, en fait. Alors, je vais quand même aller chercher l'autre coffre, quand même. Sait-on jamais. Il y a des petites bottes de plomb. Ok, Song of Time. Ok, imaginez, j'étais pas allé check ça. Hein. Ça aurait été assez terrible. Ok. Bah, what? J'ai mort, là? On avait même pas besoin d'effet. Allez, Shadow Medallion. Pitié, ça serait très stylé que Shadow Medallion soit derrière le Shadow. Après, au pire, on fait le Spirit, hein, mais après le Spirit, du coup, il y a le Water. Imagine, c'est dans le Water, le Shadow Medallion. Allez, pitié! Pitié, fait que c'est pas random, du coup. Oh, fils de... Une chance sur deux. Une chance sur deux. On va au Spirit. Nickel. Nickel. Oh, allez! Il est lent, scellé. Aïe, aïe, aïe! Alors, elle dit pas Ella ou My Ass? Aucun des deux. Hein. Mais je crois qu'il y a un débat sur le fait qu'ils disent soit My Ass, soit pas Ella. Mais j'entends aucun des deux persos. Hein. Je ne comprends pas. Ouais, des noix. Wouhou! Une troisième noix. Let's go. These nuts. Allez, pitié. Shadow. Allez. Donne-moi Shadow. Donne-moi le Shadow. Pitié. Shadow médaillon. J'ai envie de faire le Water là. Les bottes. Allez, une chance sur deux là. Je ferme les yeux. Ah! Putain, j'en peux plus, frère. Bon bah du coup c'est dans le Water. Bah, faut que j'apprenne le trick pour faire le Water là. En bas à gauche, ok. Ok, là je vois où est-ce que c'est. Ok, je peux aller là-bas, tout droit. Ça peut s'essayer. Si j'arrive non seulement à faire le Water early, mais en plus la boss clip, ça peut être incroyable. Vraiment. Oh, attends, là je pense que je peux arriver juste ici. Là faut que je longe le mur comme ça. Voilà, nickel. Et là je pense que je peux y aller comme ça. Voilà, nickel. Et là on rentre. Voilà, good. Ok, early Water. Maintenant faut réussir à faire la boss qui skip. Mais encore faudrait-il réussir à... Je sais pas si je vais réussir. Non, je pense pas, hein. Je pense pas que ça soit faisable, hein. Ou alors très très difficile, mais... Je sais, y'a rien. Ah ouais, c'est impossible. Non, je pense pas que ce soit faisable. Ok, bon bah tant pis alors. Pff, obligé d'aller chercher les bottes de plomb là. Ah bon, en vrai, s'il faut, on va les trouver rapidement. Hein. Comment je fais pour grimper ici là? Reverse Shadow Aventure. Merde, j'avoue, on fait le Shadow à l'envers. Ça me régale. Oh oh, oh oh. Ah c'est bien en fait, ça me pousse pile poil dans le bon sens, ça me fait plaisir. Normalement, c'est censé m'empêcher d'accéder à... J'ai jamais fait le temple à l'envers, moi non plus. C'est une certaine expérience, il faut le dire. Faut l'avouer. Et où déjà ça? C'est juste au-dessus. Petit coffre. Oh oui. Yes. Ok, pff, désolé le voisin, mais là... Ok, putain, c'est ce qu'on cherchait. Ok, on peut s'arrêter. Wouh. Let's go, on peut finir. Let's go. Bah, il manquait plus que ça, en fait. Comment je fais pour open, là? Il faut que je fasse ça, c'est ça? Ok, bon, on a plus qu'à terminer le temple. Bon, par contre, je sais plus comment faire, hein. Là, gros, le water, frère, je m'en rappelle plus, hein.
Voilà, nickel. J'ai réussi. Ça, je l'avais appris du MST, de le mettre dans le coin comme ça, et faire des crouch stabs. Bon, bah, y a plus qu'à finir le jeu, du coup, hein. Y a plus qu'à. Go mode! Waouh! Y a des barrières! Parce que je sais que dans la version N64, y a pas de barrière du tout. Là, il est vraiment beau, hein. En plus, les trials, du coup, on a pas besoin de les faire. Alors, j'ai désactivé les trials de manière à ce qu'on n'ait pas à les faire. Allez, go finir! On finit le jeu! RAF! Ok, j'avoue, c'est drôle. Par contre, ça dure 3 années, là. Il est très, très lent, ce lait. Allez, on termine. Et voir à quel point il est beau sur 3DS. Sympa, il est beau en vrai. Allez, le fight final. J'enlève le menu carrément. Voilà. Burlesque combat. Bah, quand on connaît comment le use bug, après, quand tu connais pas trop, c'est clair que c'est difficile. En plus, il met beaucoup de dégâts. Hein. Voilà! Finito le Ganondorf! Finito le Ganon! Voilà! Attention le time qui arrive. 14h11 minutes! Il était lent ce lait, il était très très lent ce lait. Et au moins on a terminé, je suis content. Quelle aventure, putain de merde. On a dû faire tous les donjons. Merci d'avoir regardé YouTube, j'espère que ça vous a plu. Je pense très sincèrement que je compte refaire ça, par exemple, sur Twilight Princess. Donc, si vous avez aimé... Allez, je donne un objectif de like pas très haut. Pour 10 000 likes, je le refais sur Twilight Princess. Enfin, je fais un randomizer Twilight Princess. Voilà, merci d'avoir regardé YouTube. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. C'était Julgan. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Abonnez-vous en mal. Allez, merci d'avoir regardé. Bye bye.